Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons prendre place. Et pendant que nous prenons place, nous allons inviter maman Gabrielle qui a un chant pour l'Éternel. Amen. Si on peut nous projeter Ésaïe 60, le verset 1 et 2. Je m'excuse pour la voix, je n'ai pas de voix. Il y a un rythme. On peut le chanter dans tout. Jésus, tu es Dieu. C'est juste un refrain que le Seigneur m'a mis à cœur toute cette semaine. Et je suis convaincue que sa gloire va se manifester aujourd'hui. Nous allons continuer dans le même rythme que tout à l'heure parce que j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit agit et il arrange déjà les choses. Avant que je ne prenne le micro, le Saint-Esprit a tout exprimé. Donc nous allons continuer dans le même rythme. Si nous tous, on peut confesser que Jésus est Dieu, c'est juste un refrain, mais le Saint-Esprit mettra les paroles. Yeshua Linzambe. Yeshua Linzambe. Yeshua Linzambe. Yeshua Linzambe. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. En Kikongo. Yeshua Kele Nzambie. Yeshua Kele Nzambie. Yeshua Kele Nzambie. Yesu Kelenzambie, tu peux dire ça dans la langue que tu connais, mais s'il te plaît, dis cette phrase autant de fois jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors la Zalintambe, Zalintambe, Zalintambe.
merci. Merci parce que je sais que tu touches. Merci parce que je sais que tu répares. Merci Seigneur, merci. Il n'y a que toi qui élèves. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi Seigneur. Merci pour ton peuple. Amen. Que l'Éternel bénisse notre maman Gabrielle pour ce chant. Envers l'Éternel, je vous prierai de vous lever parce que nous arrivons au moment de la parole. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Là où nous sommes, nous voulons nous tenir debout, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. C'est le moment où nous allons maintenant passer à table. Nous voulons que l'Éternel fasse de nos cœurs des terres fertiles. Merci pour ta grâce, ta faveur, ton esprit qui est au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur parce que
Tu nous donnes la vie, la force, le mouvement et l'être. La Bible dit, cela vient de toi. Seigneur, nous n'avons rien d'autre à te donner en retour, si ce n'est que nos actions de grâce. Car tu as fait de grandes choses en notre faveur. Tu as été bon pour nous, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce matin. Voulons recommander ces instants entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Parle-nous encore, Seigneur, car nous sommes arrivés au bord de changer cette année, ô Dieu. De passer à une nouvelle année. Seigneur, nous avons besoin que tu nous instruises encore ce matin. Donne-nous une parole, Seigneur, afin que nous puissions entamer cette année avec de nouvelles dispositions, Seigneur, parce que nous croyons, ô Dieu, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu as fait et tu feras encore. Reçois la gloire, éternel Dieu. Merci, Seigneur, car depuis janvier jusqu'à ces jours, nous avons vu ta main. Nous avons vu combien tu nous as secourus. Nous avons vu comment tu as été un Dieu compatissant, riche en bonté, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est amour. Tu as manifesté ton amour au Dieu. Tu as passé cette année avec nous. Tu as été à nos côtés. Malgré des situations de foi incompréhensibles, mais Seigneur, tu nous as jamais abandonnés. Voilà pourquoi nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'avoir un si grand Dieu, un Dieu qui connaît nos vies et qui marche avec nous. Avec toi, nous avons franchi des murailles. L'ennemi avait des projets contre nos vies. Mais Seigneur, nous avons échappé grâce à toi. Grâce à toi, tu nous as mis au large, éternel Dieu. Grâce à toi, nous avons été guéris de nos maladies. Grâce à toi, nos familles sont en bonne santé. Grâce à toi, tu nous as donné la promotion. Grâce à toi, nous sommes arrivés là où personne nous attendait. Grâce à toi, nous avons reçu ce que personne n'a réservé pour nous. Grâce à toi, aujourd'hui nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Grâce à toi, cette année n'a pas été que mauvaise ni bonne, mais cette année nous a enseigné beaucoup de choses. Cette année nous a instruits. Voilà pourquoi je suis confiant que les instructions de 2019 nous ont équipés pour entamer 2020 avec confiance. Merci parce que tu ne fais rien au hasard. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui souhaiter des meilleurs vœux? Car nous sommes à notre dernier dimanche de ce mois et de l'année 2019. Fais un peu de déplacement. Salue celui qui est à ta gauche, à ta droite. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu a été bon pour nous encore une fois. Année après année, le Seigneur demeure toujours fidèle. Nous lui sommes reconnaissants pour cette année 2019. Il arrive presque à la fin. Mais minute après minute, jour après jour, Dieu a été avec nous. C'est un Dieu digne d'être adoré. C'est un Dieu digne d'être élevé. Il nous a secourus dans des moments très compliqués. Il nous a bénis, il nous a ouvert des portes. C'est un Dieu qui mérite qu'on l'acclame encore ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer réellement le Seigneur ce matin? Il est le roi de gloire.
C'est l'ami fidèle qui nous abandonne jamais. Qui compatit plus que les hommes. C'est un Dieu extraordinaire. Je t'assure, tu ne tomberas jamais sur un Dieu comme notre Dieu. C'est un Dieu grand et redoutable. Ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Sa main invisible a placé tout pour cette année. Même si tu ne vois pas comment Dieu a dirigé 2019, mais en 2020, tu vas tirer des leçons. Tu vas dire, c'est parce qu'il a fait ça, voilà pourquoi cela est arrivé. J'aime mon Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, cette nuit, l'accouchement était très difficile. Comme tout prédicateur doit accoucher d'un message. Le mien était très difficile. Alléluia. C'est très difficile. Jusqu'à ce moment où je vous parle, c'est très difficile. Amen. Parce que c'est une très profonde réflexion que j'ai eue et que en ma qualité de pasteur assistant, je ne peux pas donner ça. C'est une orientation, mais l'orientation, on attend souvent l'homme de Dieu de nous communiquer cela. Alléluia. Je l'ai reçu, j'ai lutté contre ça. Jusqu'au matin, j'ai dit comment je veux faire. Bon, comme un enfant soumis à son père, on va faire ceci. Ce que moi je veux dire ce matin, ça soit un plus. Mais nous attendons l'orientation. On est d'accord. Gloire à Dieu. Je méditais, je réfléchissais profondément. Pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions avoir un mois, 30 jours de célébration depuis quelques années? Est-ce que c'est juste pour venir lui dire merci? Et en retour, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous que lorsque nous venons célébrer le Seigneur pendant 30 jours, jusque là, je voyais un aspect d'être reconnaissant à Dieu parce qu'il est digne de reconnaissance, parce qu'il fait de ses œuvres sont nombreuses, sont grandes. Alors, quand je méditais sur la célébration, parce qu'on devait continuer sur le thème. Alors Dieu me donne un autre aspect. Il me dit ceci, que lorsque nous célébrons pendant ces 30 jours, ce n'est pas seulement que nous lui rendons gloire, mais nous nous préparons pour une conquête. C'est-à-dire la célébration n'est pas seulement pour dire ce que Dieu a fait pour nous. Nous pour conquérir. Alléluia. Amen. Voilà ce que je veux dire ce matin. Deutéronome chapitre 2, le verset 24 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 2, 24 à 25. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur donne gloire à sa parole. Je refais la lecture. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, levez-vous.
Parce qu'ils étaient tout autour de la montagne de Seir en train de tourner. Et Dieu leur dit, levez-vous, partez et passez 2019. Vois, je livre entre tes mains tous tes ennemis. Et il dit, et tu me aideras à dire à ton voisin, commence la conquête. Banda kolonga. Dis à ton voisin, commence la conquête. Banda kolonga. Il dit, commence la conquête. Alobi banda kolonga. 2020, c'est pour nous aussi une année de conquérir. Et celui qui est en train de conquérir, on l'appelle conquérant. Est-ce qu'il y a des conquérants ce matin? Il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. C'est-à-dire lorsque tu fais la conquête et qu'il n'y a pas de résistance, gloire à Dieu. S'il y a des résistances, tu fais la guerre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit à son peuple. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il dit, nous, nous sommes des peuples qui sont conquérants par rapport à l'image de notre Seigneur. C'est-à-dire lorsque nous parlons de conquête, nous parlons de s'emparer des limites. S'emparer d'autres territoires. De s'emparer d'autres domaines de nos vies. Qui en 2019, nous n'ont pas donné satisfaction. Nous avons en nous cet esprit conquérant. Alléluia. Il dit, je veux répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tout le peuple qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront. Ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. C'est-à-dire qu'en 2020, il y aura certaines personnes, dès qu'ils entendront nos prénoms, les noms de nos familles, eux-mêmes ils vont commencer à trembler. Je le déclare pour quelqu'un comme le Seigneur a déclaré, dit que par ta renommée, que tes ennemis soient troublés. Dieu donne aujourd'hui un mot d'ordre. Simple mais puissant. Il te dit, mon fils, ma fille, commence la conquête. Il est temps aujourd'hui de ne plus croiser les bras, de ne plus vivre dans le murmure, de ne pas avoir de joie par, comment je veux dire ça, par procuration ou par association, mais que 2020, que toi-même, tu puisses vivre des expériences avec le Seigneur, que toi-même, tu puisses avoir d'histoire à dire par rapport à la conquête ou aux conquêtes que le Seigneur te donnera. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne théorique, mais nous voulons vivre une vie réel avec les seigneurs, des vraies expériences personnelles. Je bénis Dieu lorsque j'ai lu cette parole. J'ai dit, Seigneur, je veux devenir encore conquérant. Alléluia. J'ai des conquêtes à réaliser dans ce monde. Il y a des domaines de ma vie qui m'échappent. Mais à cause de la parole de Dieu, je veux les conquérir. Vous savez, la parole est sortie parce que Dieu est venu les visiter. Lorsque Dieu nous visite, il nous amène aussi à la conquête. Lorsque Dieu te visite, il te pousse aussi à conquérir d'autres domaines de ta vie. Alléluia. C'est le moment où Dieu intervient. Il a vu son peuple, le peuple qui était
qui ne bougeait pas, le peuple qui n'avançait pas, mais il est venu leur dire, il est temps maintenant, il est temps de se lever, il est temps de conquérir, il est temps là où on ne t'attendait pas, qu'on puisse te voir arriver, parce que notre Dieu est prêt à nous conduire jusque dans notre destinée. Notre Dieu n'a pas un problème pour que chacun de nous atteigne ses objectifs. Mais il est important dans toute visitation, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu est venu nous visiter, il te dit ce matin, c'est toi qui vas aller à la conquête, c'est toi qui vas conquérir. Moi Dieu, je te donne ma parole, que partout où tu iras, tu vas avoir la victoire. Alléluia. Amen. Ça dit, nous devons nous engager nous-mêmes. Vous savez, il y a une chose très importante. C'est que la majorité ou beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons bouleversé certaines choses. Vous savez, nous avons donné plus la place aux personnes de nous parler, de donner la place aux personnes de nous conduire par leur message, à laisser aux faux prophètes de nous donner les directions dans notre vie. Et pourtant, je lis dans la Bible, la Bible dit tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu sincère, authentique, honnête, n'est jamais conduit de l'extérieur. Il est toujours conduit de l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque le prophète te parle, il te parlera des choses que toi tu as déjà dans ton intérieur. Beaucoup nous sommes laissés conduits par les idées des hommes. Or, nous avons oublié que Dieu, son esprit, habite en nous. C'est-à-dire, la manière dont Dieu nous conduit. Nous conduit de l'intérieur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il n'y a aucune prophétie qui a la force de donner une directive. La prophétie vient confirmer ce que Dieu a déjà mis en toi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, pendant ce temps de célébration, 30 jours merveilleux, où nous avons entendu des paroles et des paroles, où Dieu n'a jamais arrêté de nous parler. Vous savez, je vais vous avouer, j'ai parlé à quelqu'un, je lui disais ceci, le jour où le pasteur va arrêter de faire la célébration comme il fait, comment nous on va s'en sortir? Vous savez, vous ne connaissez pas la difficulté de recevoir la pensée de Dieu. Mais lui, pendant 30 jours, il ne répète pas, mais ça continue. Parce que nous n'avons pas le même œil. Moi, je suis prédicateur. Mais lorsque je parle, je regarde avec l'œil comme un fidèle. Je dis à Dieu comment il fait. Ce n'est pas non plus vous allez le voir s'enfermer quelque part, non. Vous allez le croiser dans la rue, vous allez le croiser. Mais quand il vient, il donne une nouvelle parole. Je vais demander devant tout le monde, papa donne-nous la recette. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile pendant 30 jours. Voilà pourquoi, lorsque je réfléchissais à ça, Dieu nous dit, arrêtez de voir seulement que c'est un moment de reconnaissance, mais c'est un moment d'équipement aussi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le moment où nous nous célébrons, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais quand lui commence à parler, il commence à nous équiper. Parce que nous, à l'église de Dieu le revêt, le 20 novembre, nous changeons d'année.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce que nous avons reçu pendant le 30 jours, c'est un équipement pour nous. N'est-ce pas ici nous avons renversé Elimas? N'est-ce pas ici que nous avons renversé Goliath? Mais toutes ces paroles-là, nous l'avons fait pourquoi? Parce que Dieu voyait comment nous devons conquérir. Et je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous avons été bénis. Mais Dieu te dit ce matin, il est temps que tu te lèves. Vous savez, lorsque tu comprends la réalité de la vie, tu ne dois pas attendre les secours des hommes. Tu dois attendre les secours de Dieu. Et lorsque Dieu te donne une parole, prends cette parole et avance avec cela. Alléluia. Nous nous acquisons les autres. Mais Dieu dit, toi, tu peux conquérir. Alléluia. Amen. Nous allons voir un récit qui parle de la conquête après une célébration. Je vais lire et nous allons vite terminer parce que l'heure il faut avancer. Josué chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous irons jusqu'au chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué aujourd'hui, je roulais dessus de vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'en ce jour. Alléluia. Il est très important ici de savoir que Dieu enlève l'opprobre des gens. Vous savez, nous avons un Dieu qui enlève l'opprobre, qui enroule la honte sur ta vie. Voilà pourquoi il dit, j'enlève le vêtement de deuil, je vous donne l'huile de joie. Seul Dieu peut le faire. Vous voyez, tu peux marcher avec Dieu. Sois-en sûr. Ta honte n'est pas éternelle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu enlève la honte de toi. Dieu enlève la honte de la famille. Dieu enlève le pauvre qui s'attache à toi. Par rapport à tout ce que nous avons fait dans le passé, Dieu est capable de se lever un jour et de changer ton histoire. C'est ce que j'ai compris avec Dieu. Quand Dieu te visite, il vient changer notre histoire. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu fera avec toi va avaler tout ce que le passé t'a collé comme étiquette. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu peut le faire? Vous savez, j'ai envie de te dire que Dieu est grand. J'ai envie de te dire que celui que nous prions, nous servons, il est le Tout-Puissant. J'ai envie de te dire que même la maladie qui te fait honte, Dieu peut le guérir. J'ai envie de te dire, ne lâche pas Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu, il a son temps où il change l'histoire de l'homme. Le pauvre qui est attaché à nous, Dieu le roulera un jour. Il dit aux enfants d'Égypte, Israël, je roulais la honte aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, nous pouvons être complexés par beaucoup de choses. Le complexe est un élément qui détruit la foi. Le complexe est un élément qui nous disqualifie, qui nous empêche de désirer encore plus. Voilà pourquoi Dieu veut, avant d'aller conquérir, il dit que j'ai enlevé la honte. Dieu a pris notre honte. Il a roulé cela. Parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans la honte. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai roulé la honte au-dessus de vous. Il dit, j'appelle ce lieu Gilgal. Verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célèbrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans le plain de Jéricho. L'histoire est celle-ci. C'est que
Jéricho était à leur portée de vue. Jéricho, c'est la porte d'entrée de la terre promise. Tout ce que Dieu les a promis pendant plusieurs siècles, ils commençaient à le voir. Il y a beaucoup de choses, de réalités. Voilà pourquoi je dis que cette célébration était particulier parce que nous allons retrouver beaucoup de signes là-dessus. Ils voyaient déjà le plein de Jéricho. Mais Dieu leur dit, après avoir roulé la honte, célébrer la Pâque. Donc ils se sont mis à célébrer comme nous. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont loué Dieu. Verset 11. Il dit, ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. De pain sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Cette année qui va arriver, il faut que tu goûtes. Non, j'ai dit à quelqu'un, cette année qui va arriver, il faut que toi aussi. Que tu manges les meilleures productions. Ils disent, ils ont mangé cette année. Ah, bien aimé, cette année, tu vas manger. Je déclare encore, tu vas manger cette année. Tu ne vas pas manger les choses des voisins, mais les choses qui viennent de la terre promise. C'est-à-dire que cette année, tu palperas aussi tes promesses. Tu mangeras tes promesses en 2020. Ils disent, cette année-là. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est saint. Et Josué fuit ainsi. La première semaine, nous avons prié la repentance. Nous avons prié pour la conviction du péché. Nous avons réparé toutes ces choses-là. Suivez bien ma progression. Je ne fais pas les choses pour faire, parce que je sais que ce que le Seigneur dit ici, il dit des choses vraies. Il dit, oh, tu ne peux pas rentrer. Voilà pourquoi j'ai cette conviction que tu vas conquérir l'année prochaine. Ces choses-là, nous l'avons fait ici. Avant de conquérir, il dit, ôte les sandales, enlève. Nous, nous avons demandé pardon, nous avons réparé, nous avons eu prié à Dieu la conviction de péché. Le verset suivant. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti, personne n'entrait. Ce n'est pas grave. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains 2020. Amen. Amen. Dis, je livre entre tes mains 2020. 2020. Amen. Pas dans le main d'une autre personne. Mais je livre entre tes mains ton année 2020. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Entre tes mains. Ce n'est pas le calendrier qui est important. Mais dis entre tes mains. Je livre l'année. Pourquoi je fais ça? Pour te faire comprendre. Que le changement d'année ne change pas de vie. Mais la nouvelle révélation de Dieu change une année. D'ici là, mon téléphone est rempli de photos de sapins, de Noël, meilleurs vœux. Ça ne change pas. Ce qui change ma vie, c'est ma nouvelle révélation. C'est ce qui va changer 2020. Pourquoi? Parce que nous attendons ce moment-là. Meilleur vœu, prospérité, bonheur, bien aimé. Mais si tu restes dans ce message, ta vie ne changera pas. Ta vie changera quand tu rentreras en 2020 avec une nouvelle révélation. Dieu t'a dit, tu vas conquérir. Alléluia. Amen.
Il dit que Jéricho était fermé. Mais vous devez conquérir. Nous devons conquérir. Nous devons conquérir nos familles. Il y a des conquêtes qui nous attendent. Notre santé, nous devons le récupérer. Nous devons les choses qui nous ont échappées. Mais je te dis, Dieu a mis le pouvoir sur nous. De conquérir ces choses en 2020. Que ça soit plus une année pour nous disant que je ne sais pas. Non. Même si la chose n'est pas arrivée, je ne sais plus même pourquoi ce n'est pas arrivé. Je serai plus éloigné de mes affaires parce que Dieu a mis en moi la force de conquérir. Alléluia. Si moi je ne vais pas, personne n'ira à ma place. Alléluia. Ce qui est important, c'est que pendant la célébration, nous avons reçu des provisions. Nous avons reçu. Mais nous avons reçu énormément. Vous savez, je me rappelle encore d'un message ici. On nous a parlé d'arrêter d'être négligent. Parce que ce qui est important, c'est lorsque tu reçois une orientation, ta vie change. Et ici, nous avons reçu cela. Alléluia. Amen. Vous savez, l'année passée, moi j'ai été béni avec un mais. Vous savez, dans la vie, tu n'es pas obligé de tout savoir. Mais ce que tu sais, tu dois bien le savoir. Moi, j'ai reçu le message de livrer et de blé. Laissez-les croître ensemble. Je vous dis, je suis en train de croître avec eux. Moi, j'ai reçu cela. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Moi, mon défi est que là où eux, ils croissent, moi aussi, je dois croître. D'autres révélations, peut-être, je ne les connaîtrai pas. Mais cette révélation-là est ma révélation. Alléluia. C'est-à-dire que ma vie, pour que je puisse l'emmener, j'ai besoin d'écouter une parole. J'ai besoin de recevoir un rhéma de Dieu. Et toute ma vie est bouleversée. 2020 est encore vierge. 2020, personne n'a écrit dessus. 2020, il n'y a encore aucune tâche. Et nous, et le diable, nous ne sommes pas encore entrés. Nous et les diables, nous sommes toujours en 2020. Alors Dieu te dit ce matin, tu dois conquérir 2020. Amen. 2019 est déjà entaché de certaines choses. 2019 est déjà entaché de certaines choses. Personne n'entrait dedans. Fermé, barricadé. Et Kangami. Et pour nous, et les démons, na les autres. Et les voisins, les amis. Personne n'est allé en 2020. C'est Dieu là-bas. Mais Dieu te dit ce matin, tu dois conquérir 2020. Amen. 2020, c'est 0 km. 2020 est à 0 km. Personne n'a utilisé. Ça nous attend. Quelle excitation. Et nous n'entrons pas dans cette année nous-mêmes. Dieu est avec nous. Je disais à quelqu'un, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et ils sont arrivés devant Jéricho. Mais nous, nous avons reçu des provisions extraordinaires. Josué dit ceci aux enfants d'Israël. Josué 1, verset 10 à 11. Il dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Nous voulons dire à Josué, Josué, nous avons préparé des provisions. Nous avons préparé des provisions. Nous avons fait 30 jours.
Mais je te rappelle que tout ce que tu as fait a de l'importance aux yeux de Dieu. Peut-être pour toi ça dit plus grand chose parce que tu es habitué, mais aux yeux de Dieu, aux yeux des démons, des esprits, ça dit beaucoup de choses. Nous sommes venus nous approvisionner ici pendant 30 jours. Nous avons reçu des paroles. Nous avons jeûné. Nous avons prié. Ce que nous avons des provisions. Alléluia. Amen. Nous sommes approvisionnés par toutes les paroles que nous avons reçues. Dieu nous a dit ceci. Vous savez, le thème était... Allah, une visitation particulière. Cela doit être notre vie. Ça dit, si je veux une visitation particulière, il y a des contributions particulières à faire. Donc, toute contribution provoque la visitation de Dieu. Ça, c'est une révélation que nous avons reçue. Et Dieu est le Dieu de la visitation. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de programme. Mais Dieu vient nous visiter en son temps. Et lorsque Dieu vient, Dieu dispose tout à notre faveur. Alléluia. Jésus dit, préparez des provisions. Car dans 3 jours, il reste combien de jours? Bien aimé, aujourd'hui nous prêchons la Bible. Bon, maintenant je vais faire ça comme à l'église de Dieu le réveille. Pajo donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous. Car dans 3 jours vous passerez 2020. Pour aller où? Pour la coquine de Wapi. Je répète. Pas je donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez 2020 pour aller. Amen. Le pays dans l'éternel, votre Dieu, vous Amen. A donné Amen. En possession. Amen. Il reste 3 jours. Ce matin, tu dois avoir l'esprit de conquérant. Tu dois te préparer pour 3 jours. Parce que 3 jours, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où ce qui est mort revient à la vie. C'est le jour où ce qui est enterré refait surface. Il dit, dans 3 jours, tu vas rentrer. Dans 3 jours, tu vas poser. Dans 3 jours, les choses ne seront plus les mêmes. Dans 3 jours, l'histoire va changer. Les choses anciennes vont rester en 2019. Dans 3 jours, on va écrire une nouvelle histoire. Les pages sont encore vierges. Les pages sont encore vides. Dans 3 jours, tu passeras 2019. Tu laisseras le pleur en 2019. Tu laisseras les soucis en 2019. Dans 3 jours, je dis à quelqu'un, dans 3 jours. Dis à ton voisin dans 3 jours. Dans 3 jours, une nouvelle année m'attend. Mais ce n'est pas une année de lamentation. C'est une année de conquérir. Est-ce que je peux entendre la main de conquérant ce matin? Est-ce que conquérant peut me donner un bon amen? Oh, rassure-moi que tu vas conquérir en 2020. Non, je t'entends pas, rassure-moi que 2020. Tu vas conquérir 2020 t'attend le bras ouvert. 2020 t'attend ce matin. Dans trois jours. Tu vas conquérir 2020. Oh, je vois des conquérants ce matin. Est-ce qu'un conquérant peut me donner un bon amen?
Nous avons eu des provisions. Il dit ce matin dans 3 jours. Seulement. Tu vas entrer. Tout ce qui t'a échappé. Tu vas le posséder. Tu vas le conquérir. Tu vas le soumettre. Tu vas le posséder. Tu vas t'en emparer en 2020. Est-ce que quelqu'un croit cela? Reçois cela que 2020 soit une année de conquête pour toi. De conquérir ta famille. De conquérir, de recevoir, de t'emparer de ces choses ce matin. Il reste 3 jours. Il reste 3 jours pour que les choses changent. Il reste 3 jours pour que les choses changent. Pour que tu rentres dans une nouvelle dimension de ta vie. Mais le Seigneur te dit, 2020, les conquérants doivent se lever. Les conquérants doivent se lever. Tu as trop longtemps regardé les choses. Tu as longtemps accepté les choses. Mais dans 3 jours, tu dois devenir meneur toi-même. Alléluia. Amen. Il dit dans 3 jours que les choses vont changer. Tu dois conquérir. Tu dois vivre des expériences avec Dieu. Tu dois savoir que ce combat, nous l'avons gagné avec le Seigneur. Tu dois savoir que 2019, j'étais là, mais 2020, je fais un pas. Je ne suis plus là-bas. Parce que j'ai l'esprit des conquérants en moi. La Bible dit, il a fait de nous des plus que vainqueurs. C'est notre nature. C'est comme ça que nous devons faire. C'est depuis le temps que tu attends qu'on te pousse pour avancer. Il faut que toi-même tu te décides d'avancer. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on parle d'autres choses en me concernant. On va redire d'autres choses pour ma vie. Je ne peux plus accepter les mensonges du diable. Je ne peux plus accepter de vivre cette vie. Qui a déterminé que je sois dans cette condition? Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que nous avons accepté trop les mensonges du diable. Nous avons trop avalé toutes les philosophies de ce monde. Nous avons oublié que nous avons un Dieu qui a fait de nous des conquérants. Alléluia. Amen. Il dit, il reste 3 jours. Vous allez posséder ce pays. Nous allons rentrer dans ce pays. Alléluia. Nous allons nous réjouir encore en 2020. Parce que c'est une nouvelle étape dans notre vie. Des choses merveilleuses nous attendent. Des choses extraordinaires nous attendent. Il dit, commence la conquête. Et fais la guerre. Si on ne me laisse pas la place, je fais la guerre dans la prière. Mais je dois arriver. Personne n'a dit que tu seras dans ce niveau-là. Ce n'est pas une maladie que tu sois dans ce niveau-là. Ce n'est pas obligé de rester là. Pourquoi te condamnes-tu toi-même? Tu peux conquérir encore. Tu peux aller encore plus loin. Moi, je crois à ces dieux-là qui nous amènent de gloire en gloire, qui nous amènent de succès en succès. N'est-ce pas qu'on nous a prêché ici dimanche passé? Dieu fait ces choses 2 fois, 3 fois avec l'homme. Dieu le fera encore. Dieu a beaucoup dans sa providence. Dieu en a encore beaucoup. Alléluia. Nous avons cet esprit de conquérant. Mais nous devons bannir la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avancer. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 1:7. La Bible dit, car nous n'avons pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas, la peur, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Tu as un esprit de force pour conquérir. C'est parce que toi, tu ne sais pas ce que tu es. Alléluia. Amen. La peur peut changer nos objectifs. À cause de la peur, tu peux te décider à voir tes objectifs en baisse parce que tu as peur. Normalement, c'est l'ennemi qui doit avoir peur. Pas nous. Vous savez,
Il y a une chose très très importante. Je le répète, je le dis toujours. Vous savez, le diable peut t'enfermer dans un système, dans une forme de prison. Mais il fera toujours une erreur. Bien-aimé, crois-moi ce matin. Je vais parler de ça, mais mettez-moi Actes des Apôtres chapitre 12. Vous allez voir que Pierre, en prison, le diable n'est pas si sage que ça. Verset 1. La Bible dit, voici le même temps, vers le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc ici, cela veut dire que lorsque Hérode commençait à persécuter l'église, il a pris Jean le même jour, il a tué Jean. Il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Maintenant, il a tué Jean, il a tué Jacques, il a pris maintenant Pierre. Cependant, le jour de pain sans levain, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la garde de 4 squads et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison. On n'a pas dit que Pierre était placé en prison, gardé. Donc il est déjà en prison, mais on le garde encore en prison. Des fois, le diable est vraiment méchant. Donc il te met en prison, mais il te garde encore en prison. Tu es déjà en prison, mais il te met encore des gardes en prison. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'erreur est ça. Pourquoi il a laissé Pierre de passer la nuit? Il fallait que tu perds. Il fallait pas que tu passes 2020. Pourquoi t'as laissé de venir ce matin de m'écouter? Il fallait que tu pierres comme il a tué Jacques. Il a laissé à Pierre la nuit. Et il savait pas que la nuit. Le diable il perd le diable. Le diable ne peut pas empêcher l'intervention de Dieu. Non. Je te dis, dans tout le plan de l'ennemi qui va formater contre ta vie, il a toujours une erreur qu'il fera. Voilà pourquoi ne pleure pas. Vous savez, il peut tout bloquer, mais il va te laisser. Tu dis, par exemple, moi, il m'a bloqué des années. Mais pourquoi il ne m'a pas empêché de venir à l'église? Ce serait mieux de me laisser tout ce que je pouvais chercher comme matériel et de m'empêcher de connaître Dieu. N'est-ce pas le plan le plus, important, c'est celui-là. Mais lui, il m'a empêché de posséder, mais il m'a laissé de venir à la source. Amen. Amen. Ah, il fera toujours une erreur. Il a laissé à Pierre la nuit. Toi, il t'a laissé la célébration. Il t'a laissé les derniers dimanches. D'écouter que tu es conquérant. Amen. Il fait toujours une erreur. Ce qui est encore grave, c'est que le diable est incapable d'empêcher son échec. Il n'empêche jamais son échec. Parce qu'il sait qu'il y a un tout-puissant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je reviens te dire ce matin. C'est que le plan de Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Le Seigneur nous a dit à la contribution particulière, à la visitation particulière. Le diable est incapable d'empêcher ta visitation. L'ange est entré. Il y avait plus de 16 gardes. Mais elle est entrée dans la prison de Pierre. Et dès qu'il est entré dans la prison de Pierre, la Bible a dit à Jérusalem, il n'y avait pas de lumière. Mais dans la prison de Pierre, il y a eu lumière.
Notre Dieu est fort. Zambe na bisaza makasi. Non, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, notre Dieu est fort. Zambe na bisaza makasi, penza. La Bible dit notre Dieu est au ciel. Zambe na bisaza likolo. Il fait ce qu'il veut. Asala kanyoso ya lingi. Amen. Et ce qui est bizarre. Peu ça penser à Kokama. Il réveille Pierre. Ya la musipete. Les militaires ils dormaient toujours. Basere ba ngo basa kola la kaka. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Sois dans la joie. Nous sommes en ce dimanche. Dieu nous dit, tu es conquérant. Pourquoi pas peur? Vous avez le complot de l'ennemi. Si ça prend place, c'est parce que nous l'acceptons. Il faut refuser cela. Alléluia. Moi, je viens de passer un test. On était 60, on a pris 3. Et dans le 3, on a pris 2. On m'a mis à côté. Je suis venu voir le pasteur. Il m'a dit, pour toi, on va vomir cela. Une semaine après, ils ont vomi cela. Il dit, monsieur Kenge, venez, il y a un poste qui se libère. N'accepte jamais de fatalité tant que Dieu n'a pas dit. Ce n'est pas une maladie. Il ne faut pas accepter d'être là. Qui t'a dit d'être là? Moi, je lui ai dit, papa, moi, je lui ai dit, on va croître ensemble. Jamais. Oh, je refuse que il croit, c'est que moi, je reste. Je refuse. Alléluia. Nous avons un Dieu fort. Il dirige le cœur du roi comme il veut. Dieu est puissant. Dieu est capable de changer ton histoire. Il dit dans 3 jours, tu vas passer 2020. Ne pleure pas. Arrête de te lamenter. 2019 est derrière toi. Mais 2020 est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh Zambé Nangai. Amen. Je touche pas parce que j'ai la touche, je touche, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais pas dire? Des prédicateurs, ils savent. Parce que l'heure est presque arrivée. Une chose, pour conquérir, il faut savoir ce que tu es. Si tu ne sais pas ce que tu es, c'est impossible de conquérir. Si ton identité est compliquée, tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, c'est difficile. Tu vas te dire comme les autres qui sont partis avec Josué et Caleb. Ils ont dit devant leurs yeux, nous sommes des... Nous sommes des sauterelles. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'ils sont. Alléluia. Notre identité, c'est en Christ que nous le sommes. C'est une question de couleur, question de taille, question de l'épaisseur. Que nous sommes nés en Christ. Et parce que nous sommes nés en Christ, Dieu est notre Père. Jésus nous le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, voici... Lorsque vous priez ce que vous allez dire, il dit, notre Père qui est au ciel. N'oublie jamais cela, bien-aimé. Que nous avons un Dieu, un Père qui est au ciel. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Mon Dieu, c'est le Créateur de toute chose. C'est lui, mon Père. Je ne perds de rien. Parce que mon Dieu, celui qui est mon Père, c'est ce que je suis. Ce que je suis détermine là où je dois arriver. Alléluia. Si tu sais ce que tu es, mais il y a certaines choses que tu vas refuser. Ce n'est pas de la prétention. C'est ce que tu ne trouves pas que ça te convient. Alléluia. Il ne faut pas s'habituer aux mauvaises choses. Il faut se lever et dire, ça, ce n'est pas dans mon héritage. J'ai vu tout dans la Bible, sauf ça.
Pourquoi? Parce que je sais ce que je suis. C'est comme ça qu'on développe l'esprit conquérant. La Bible dit, Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Lorsque les autres pleuraient et ils voyaient comment ils allaient conquérir le territoire. Bien aimé, la majorité, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que 10 on dit que c'est impossible que toi tu t'associes avec les 10. Non. Parce que Hérode a tué Jacques. Qui va tuer Pierre? Non. Mon cas est différent. Et là, on a l'ingara na vie nanga yango. Mon cas est différent. C'est ce que j'aime dans ma vie. Mon cas est différent. Amen. Ce qui me donne la joie, c'est ça. Mon cas est différent. La Bible dit de tous les veuves qui étaient à Sarepta, le prophète est allé que c'est cette veuve-là. Il y avait beaucoup de lépreux. Mais il y a guéri Naaman. Mon cas n'est pas ton cas. Mon cas est différent. Je me battrai jusqu'à la fin de ma vie. Mon cas est différent. Parce que lorsque nous parlons conquête, nous parlons des territoires que nous n'avons pas encore eu accès à ça. Des choses que tu n'as pas expérimentées. Mais tu dois rentrer dans cette conquête-là. Et c'est là où beaucoup viennent avec des idées. Tu ne peux pas faire ça. Qui dans ta famille a déjà fait ça? Qui tu connais ici est déjà arrivé là-bas? Si vous ne le connaissez pas, vous me connaissez. Moi, je vais arriver là-bas. Mon cas n'est pas le cas de tout le monde. Arrêtez de te mettre dans les associations qui ne produisent rien. Si tu sois échoué, ce n'est pas obligé que moi j'échoue. En 2020, moi j'arriverai là où personne n'est arrivé le premier. Moi je serai le premier. Alléluia. Il est intéressant d'expérimenter les premiers miracles dans la vie. Toi c'est toujours par association. Ah lui il a vécu toi. Non. En 2020, en 2020 toi commences. Qui va commencer? Miracle aimerait banda to landa yo. Que le miracle commence par toi et que nous puissions te suivre. Toi aussi tu nous suivais. Nous aussi, nous voulons que toi tu commences et qu'on te suive. Tour 2020, en 2020 qu'on dise eh. Yabandi. Et lui il a commencé. To landa oh pardon. Qu'on te suive en 2020. Vous savez, il y a des miracles qui n'y a pas de liste, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de précédent. Personne avant toi. C'est là où tu dois conquérir. Personne avant toi. Mais toi, tu dois arriver là-bas. Alléluia. Deuxième chose. Il faut toujours s'appuyer sur Dieu. La Bible dit ceci dans Josué 1, verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En 2020, Dieu fera la même chose. Dieu ne nous laissera pas. Alléluia. Nous devons toujours compter sur lui. Et ça, c'est vrai. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne joue pas aux sentiments. Dieu a un grand cœur. Dieu est plein d'amour. Il nous supporte, je ne sais pas comment il fait, mais il nous supporte. Et il ne change pas ses promesses. Il dit, je ne te laisserai pas. Vous savez, il y a des moments où Dieu est silencieux, ça ne veut rien dire. Dieu est toujours là. Même s'il n'y a rien qui bouge, Dieu est toujours là. Tu dois lui faire confiance. Alléluia. Et tu dois le faire confiance. Dis, nul ne tiendra devant
toi. Il peut y avoir des résistances. Mais ça ne durera pas toute la vie. Un jour, j'aurai le dessus sur ça. Surtout en 2020. Tout ce que je passe sur important en 2019. En 2020, j'aurai la vie. Parce que j'ai déjà la provision. Alléluia. Il est très important pour nous de ne pas attendre minuit pour savoir changer notre manière de voir les choses. Il y a d'autres qui ont fait le bilan pour 2019. Moi, je ne fais pas. Dieu fait tellement de choses. Où vais-je commencer? Je n'arrive pas. Bilan. Moi, j'arrive pas. Parce que Dieu fait des grandes choses. Je le résume seulement, lui dis merci, papa, parce que tu es. J'ai vu ta main, j'ai vu comment tu as fait. J'ai vu comment tu as guéri. J'ai vu comment tu as fait. C'est énorme. Vous savez, Dieu nous oriente toujours. Dieu nous guide toujours. Ceux qui se laissent guider par Dieu, ils ne passeront jamais à côté. Alléluia. Amen. Même avec le moindre détail, Dieu tient même au détail. Dieu peut faire vraiment comme toi tu veux. Vraiment au détail près. Qui croit à ces dieux-là? Gloire à Dieu. Je termine par ceci. Il y a deux caractères d'un conquérant. Nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 9. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse. Ici, David, il s'est passé qu'ils sont partis en guerre et puis les ennemis, les Philistins sont venus. Ils ont pris tous leurs butins, les femmes, les enfants, ils sont partis avec eux. Un vrai conquérant. Il revient et la Bible dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ce fils et de ce fille. Mais David, le conquérant, reprit courage. Un conquérant reprend toujours courage. Il reprend toujours courage. Il ne se laisse pas coucher par terre parce qu'il y a une situation. Il ne sait plus se lever. C'est fini. Non, un conquérant reprend toujours courage. Si tu trouves un enfant de Dieu qui ne se lève plus, non, il faut se poser la question. On reprend toujours courage. C'est une parole de la Bible qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Une des qualités des conquérants, il s'appuie toujours sur Dieu. Alléluia. Il s'appuie toujours sur Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Un conquérant, non seulement il reprend courage, un conquérant n'abandonne pas. On a tout pris, il revient dire, Dieu, est-ce que je peux encore? Je vais te donner une bonne nouvelle. 2020 est là, tu peux encore le poursuivre. Tu peux le poursuivre encore. Et Dieu dit, non seulement tu vas le poursuivre, mais tu vas les atteindre aussi. Et tu délivreras, tu récupéreras ce qui est à toi. Est-ce qu'il y a un conquérant ce matin? Quelqu'un qui doit poursuivre tout ce qui t'a échappé en 2019. Tu vas le poursuivre, tu ne vas pas baisser les bras. Dis que non, trop les temps sont passés, je ne sais plus rien. Non, bien, mais tu peux faire quelque chose. Il dit, tu peux le poursuivre, verset 9. Il dit, et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes,
qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où ils s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite. Même si les gens te laissent, même si les gens abandonnent pendant la course, même si pendant la marche, il y a une majorité de personnes qui te laissent, un conquérant continue toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu est fort, Dieu est fort, Dieu est fort. Quelqu'un peut se lever dans sa présence. Nous voulons le louer ce matin. Nous voulons l'exalter ce matin. Parce que le Seigneur nous voit comme des conquérants ce matin. Je vais te dire, bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Tu es au bon endroit, au bon moment ce dimanche. Où Dieu te dit, dans 3 jours, tu changeras d'année. Mais tu vas rentrer dans cette nouvelle année pour conquérir, pour posséder, pour avoir. Et cela se fera dans ta vie. À cause de cela, mon frère, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons dire à Dieu, il a fait de nous des conquérants. Je suis un conquérant. Je dois posséder mon héritage. Je dois arriver là où Dieu veut que j'arrive. Il y a l'année qui est grandement ouverte pour moi. Rien n'est encore fait. Tout nous attend. Mais ce matin, nous voulons dire à Dieu, je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? On l'acclame, on l'acclame. C'est merveilleux, nous sommes de conquérants. On va répéter ceci. Je suis un conquérant. 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 Est-ce qu'il y a de conquérants ce matin? On y va. Oh, je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Jésus. Oui, que le conquérant pousse des cris de joie ce matin, car nous sommes de conquérants. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. On y va. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Je veux voir des conquérants en train d'acclamer. On y va encore. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Le ressuscité vit en moi. Son nom. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Pousse des cris de joie ce matin. Je cherche le conquérant. On y va. Je loue, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je louerai, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai, je louerai son nom. Je louerai, je louerai son nom. Je louerai, je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je
un conquérant. Je suis 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 victorieux. Déclare-le. Je suis victorieux. Tu acclames encore plus fort. On y va. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Crie-le encore plus fort. Moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. 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 Moi, je suis un conquérant. Non, non, je suis un conquérant. Viens à ton voisin. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Attends, 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 attends. Tu es un conquérant. On est nous entrons en 2020 avec cette déclaration. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu dises tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Dis, tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es victorieux. Oui, tu es victorieux. Je dis tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Je dis tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Non, 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 non. Je suis un conquérant. C'est un geste prophétique. Tu vas frapper la poitrine, tu dis yeah. Je suis un conquérant. Hey. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pousse des cris de joie. Des cris de conquérant. Mais nous acclamons, nous poussons des cris. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Mais il y a un problème avec toi. Parce que pour toi, tu entends que qu'on vient te toucher. Toi, tu entends qu'on te cible. Mais Dieu est en train de parler. L'ange est en train d'agiter de l'eau. Mais toi, tu es distrait. Toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Parce qu'après 30 jours de célébration, il n'y a plus de liens qui t'attachent. Normalement, tu es libre. Normalement, tu dois poser des actes et des gestes prophétiques. En train d'agir, nous nous sommes distraits. Vous savez, les gens ont du mal à sauter. Bien-aimés, saute dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens se sont vus libérés, se sont vus guéris. Ils ont vu le passé rester derrière eux, simplement en posant des gestes prophétiques. Ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas pour ton voisin, tu ne viens pas pour ton frère, mais tu viens pour rencontrer ton Dieu. Et Dieu est là, et Dieu est présent, et Dieu est en train de rémunérer, Dieu est en train de réaliser de grandes choses, Dieu est en train de signer des chèques. Mais toi, tu es en train de dormir. Je t'ai dit, mais ton bien-aimé, je suis un conquérant. Tu es à ton parole prophétique. Et vous savez comment Dieu organise les choses.
Il dispose chaque chose. Il met des choses à leur place. Et juste après une bonne prédication sur la conquête, sur le devenir, c'est ce que Dieu a planifié, sur tout ce que Dieu a prévu. Et il y a un chant révélationnel qui vient. C'est un chant, tu ne le chantes pas d'habituel. Et voilà comment est-ce que Dieu l'a arrangé aujourd'hui pour toi. Et puis c'est simple. Il n'y a que deux strophes. Je suis un conquérant, je suis victorieux. Mais yozo kokolo bangote. Oza oza tala tala biso. Après ça, qui te sili? Obani kola na la biso. Basambele la yo. De l'autre, basambele la mutute. Misambele la yo moko. Bato bazo tika awa. Bato bazo zo ba solution awa. Yo pesa la violent. Yo pe kota. Yo pesa zo solution. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Wanda Mulisusu, je suis un conquérant. Yeah.
Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oui, je le suis. Oh oui, je le suis. Je suis victorieux. 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 Je suis victorieux.